Je voudrais vous présenter ce livre qui s'intitule Designing New Traditions in Quilts by Sharon S. Queer Craig. C'est un livre qui date de 1991 et dedans ce sont en fait tous les quilts que cette personne a donc réalisés et elle en parle et elle les présente. Et moi je voudrais vous en parler. C'est en fait pour ce modèle-là qui est en couverture pour lequel j'ai craqué, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, c'est dans les tons des quilts traditionnels, c'est-à-dire on y retrouve les marrons, les ocres, les rouges et les bleus et les beiges. Vous en avez une autre possibilité ici. Et donc, je me suis lancée à faire celui-ci et à le reproduire. Alors, si vous voulez vous lancer et reproduire un patch, voici comment faire. Donc la première chose que j'ai regardée, vu qu'il n'y a pas les modèles en fait, si vous voulez, c'est juste, elle parle de ces quilts. Donc c'est de repérer quelles sont les formes. Donc les formes, vous avez des grands triangles et des petits triangles. Donc dans les gabarits de Martin Michel, je me suis donc basée sur le M73 qui est un des grands triangles et donc le M76 qui lui va venir compléter le M73. Donc voilà, donc à partir de ces deux formes-là, je sais ce qu'il me faut, c'est tout ce qu'il me faut comme forme. Mais ensuite, c'était la répartition des tissus. Et en fait, il y a une façon dont ça se présente, c'est-à-dire que ici, là, vous voyez qu'il y a une répétition des sombres. Et en fait, ici, en alternance, il y a les clairs. Donc j'ai essayé de reproduire cela au mieux. Et voici ce que ça donne.